à Saint-Benoît dans l'Est, Malagnieux, récupérer ma tante Françoise. Ma tante Françoise Guimbert, Mala arrive devant chez elle et malheureusement il fait pas beau, la pluie tombe. Donc, Mi vient récupérer elle pour nous aller faire les courses. Bonjour ma tante. Bonjour. Alors, on est prêts? Nous peut aller? Ben nous peut aller, viens. Ok. Donc là, nous les chez où? Oui, là où les mots. D'accord. Bon, ma tante, ben nous t'as pas trop. Non. Tu n'as pas eu un joli temps aujourd'hui. Ah oui, hein. Mais nous va dire c'est une bénédiction. Et voilà. Hein? Une grande dame, oui. Ok. Dans mon cœur, à midi, ma fille, il vaut mieux t'y pas. Essaye, fonce, donne la vie pour voir qui côté dirige à lui. Ça a fait mon premier carré de ma vie chez. Oui, m'a oui. Jamais fait ça. Ben non, on l'a jamais fait. Non, m'a jamais fait chez personne non plus. Là, mais ça fait mon premier. Ça n'a pas la honte à 70 ans, hein, déconner comme ça. Il faut toujours une première fois. Une première fois. Oui. Et là, d'autres petits sacs là, on en a tout dedans, les déjà oui, moitié préparés. Moitié préparés. Ok. Allô? Je mets là les mots. Ma fille, prends le temps pour respirer. 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 M'y fais pas un grand lalic. Alors, ma tante, que sont-ce préparé pour manger aujourd'hui? Ben mon nièce, figure-toi, mais ça fait un carré malheureux. Un carré malheureux? Oui, mais qui n'est pas pour marcher non plus. Ah. Mais ça fait un rougail la morue. Oui. Avec un rougail, ça, bon, peut-être qu'il mange bien, qu'on n'est pas, mais il donne un bon coup de vitamine. Oui. Bilimbi. Bilimbi. Oui, bilimbi. Donc, et puis bien entendu, nous avons d'autres choses. Pour l'instant, ma tante, ça fait ça. D'accord. Et on commence par quoi là? Ben, il commence par mettre un peu de l'eau au feu. Oui. Pour moi, faire bouillir mon bilimbi. Oui. Et après, entre-temps, il prépare mes épices pour mon rougail la morue. D'accord. Et rougail la morue, là, t'es pour un moun, ça, non? Oui, il y a un moun, m'a invité. M'a invité un moun. Oui. Un moun que tout le monde y aime. Et ben, c'est ma petite soeur, hein. Oui. Blanc. À moi, les noirs, les blancs, mais nous, les soeurs. Alors, comme tu viens manger un carré au bois, mais ça va faire pour la première fois. Pour une télé que j'aime bien, télé, canal austral et puis mon TV. Oui. Comme ça, il dit à moi, un carré au feu de bois, mais dit, il doit regarder l'émission. Ah, il a fini. Il a fini ça. Donc, il dit, ben oui, ben, il veut manger le rougail à mourir. Ah, alors, comme ça, il dit, oui. Nos enfants, donne la liste au rougail à nous, donne la liste au rougail à mourir. Hein? Ben oui, mais là, on ne l'a pas dit à nous toujours qui ça il est. Ben c'est Madame Maud. Madame Maud, oui. D'accord. Madame Maud, ça t'y passe à la radio avec Bobby là? Avec Bobby, ça même. Ah. Alors, pour ça me dit, oui. Allons faire son rougail la morue. Fais en sorte que ça ne marche pas. Ton son, il a fait un vieux rêve. Que ça me dit où? Ah, on dit que ce n'est pas un vieux rêve ça? Ah, ben, à moi, me dit, à force, il assise. Ah. Tous les soirs, côté Bobby, pas là. Et ben, je suis encore là, gâté. Je l'ai fait un petit bambino. Et là, me dit, vous m'aimez, pas né là. Vous connaissez? Et on lui dit ça. Si vous ne faites pas ça que le monde a envie de manger quand il est enceinte, ça il marque. Et surtout quand il y a quoi avec moi, il a tout son joue droite. Ah, et moi, il ne veut pas. Ah non. Il ne veut pas. Mais quand son enfant arrive, il a un gros rougail la morue. Ah là là. Alors, okay. Fais plaisir, madame. Fais plaisir. Fais plaisir. Nous fait plaisir, allez. Ok. Et toutes les invités, bien entendu. Bien sûr. Alors, ben, nous commençons par. Nous commençons par prendre un peu de l'eau. D'accord, allez. Ok. Mais fais comme je rentre, Odette, mais pour aider à haut, pas besoin de la faire, mais suivre. Là, il mettre de l'eau. Donc, il a dit faut faire bouillir avant, là. Oui, là, il fait bouillir au pilon comme ça, hein, oui. Vert. Et moi, j'aime quand il bouille la moins d'aigreur. Ah bon? Ben. D'accord. Mais on peut faire sans faire bouillir. On peut aussi, il y a deux façons de faire. D'accord. Et là, nous, quand la pointe, mais a eu la chance qu'on était petit. Oui. Nous la mettre ça en guise de tomate, la pointe qui habite dans les hauts panier, on dit. Oui. La pointe tomate, et bien, oui. Ma cousine était cassée bien vite et mettre dans le carimalan que nous rôde la même dans la rivière. Ah bon? Oui. Elle est aussi, ouais, ah, aussi bon. Bon il voilà, lui mettre au feu. On peut mettre un peu mettre de bois. Mettre de bois, aller à côté. Hein, on va mettre de bois exprès de à côté bois, comme ça. Comme ben, fais attention. Oui. De toute façon, pour venir pas loin ici. Non, pas loin. Peut-être qu'il n'y a pas d'y arriver. Voilà. Mais si vous voulez saluer.
bouillir tranquille. Ok. Alors, pour que l'eau bouille bien, il dit qu'il faut mettre la couverture voilà. dessus. Pour couvrir, pour que l'eau bouille vite. Voilà. Et là maintenant, oui. Maintenant, si ça va, prépare les épices pour rougail la morue. Ça prépare les épices. Mais mal remarqué là, oui. Les deux oignons, les donne un sac, les déjà, ou là déjà enlève la peau dessus. Oui. Mais on la laisse fermer dans le sac. Pourquoi? Ben, pour garder son bon l'odeur des oignons. Mmh, hein? Ça t'y fait plaisir. Ça t'y fait plaisir là. Ça t'y fait plaisir à où là? Ah, hein? D'accord. Donc. Pour moi, je vais m'y entendre à vous plaire. Donc, et moi, j'aime ce bon odeur du oignon dans le rougail. C'est pour ça que je l'ai fait bien. Donc, je la prépare à l'ibonneur. Je la ferme à l'ibonneur bien, de façon toute l'odeur du oignon, il reste en même. Hein? Alors, là, je hache mon oignon. Oui. Tranquille. Tu l'amènes au plateau? Ah oui. Ça n'a longtemps, ce plat-là. Ça fait un bon plat, là. Ma fille, nous t'ai dit qu'il y a plein mal bas, mais je ne crois pas s'il faut appeler comme ça. Hein. Plein mal bas. Plein, comment on peut dire? Je ne sais pas moi. Mais me rappelle, moi, nous toutes la viennent comme ça avant. À moi, m'en donne plus grand. Ah, mal à vue, moi, l'autre fois, au grand plat. À moi, m'en donne pareil. Il trouve plus trop ça, bon plat, les rats. Ah, ouais. Là, ouais, ma tante, il a son oignon tranquille. Là. Quand il a le oignon, il a le gros piment. Il a le oignon vert. Il y a des tomates, un peu d'oignon pour le rougail bilimbi. Et un peu aussi pour le rougail la morue. Donc, on hache tout en même temps. Il y a tout. Après, nous mettons tomates aussi. Hein, dans oui. Rougail, ben. Non, dans, oui, rougail la morue. Rougail la morue, tomate. Oui. Tomate est jolie. Ah oui. Là, il choisit ça. Ah, mais voilà, il choisit. C'est joli. Un tache à pointu. Non. Ouais. Il est toute même couleur, des, non? Oui, il fait les toutes les mêmes couleurs. Comme il dit, toute famille à la Réunion. Pareil. Quand toute coupe couleur, la... toute frère. Ben oui, quand ils coupent la... tout sang pareil, hein, ah, le rouge. Oui. Alors maintenant, on a nous même un petit peu des ordres. Monsieur Bourbèche, là, en train de couper son zèbre. Oh, samedi matin, là, pour couper son zèbre. Il n'a pas déjà dit, nous, on est en train de filmer. Donc, du coup, ben, là... il doit travailler toute la semaine. Ben oui, il faut couper son zèbre. Ben. Bon, il n'empêche pas nous causer. Ah non. Hein? Mais qu'on soit fait avec... Ben là, on est en train de hacher le haut de mon oignon. Hein? Le haut de mon oignon? Même bien mettre la tête en l'air, les blancs comme ça là. Hein? Même coupe à lit à part. Oui. Comme ça, mes coupe à lit à part. Et mes coupe, après, mes enlève le premier pot. Comme ça là. Ah, ou mettre ça de carré? Et mettre ça dans mon rougail. Ah bon? Comment c'est bien tourner le gros oignon, mes largali en dernier dedans. Ah bon? Et à la fin, c'est la queue du oignon vert. La queue du oignon vert. Là, à où dit ça la tête et là la queue. C'est ça? Moi, je m'imagine là, mais. Non, mais. Ma tante, il fait comme ça. Ben oui. Mais ma tante, à moi d'habitude, il jette moi ça. Non, il coupe mon oignon, il jette. Ben là, il voit quelque chose. Ça fait meilleur, ça. Ça fait meilleur, ça. Il donne un bon goût dans le rougail à morue. Ah bon? C'est tout ce matin, un petit peu en dernier là. Hein? Ah oui. Après, si le dernier qu'on fait bien aussi toutes les affaires là, oui. Où le rougail les secs là, là où l'arbre. Ah ben oui, écoutez, ben, elle est jolie en plus. Ah oui. Mais l'odeur, hein? Même si l'odeur, elle sent bon. Ben. Ben la prochaine fois, m'y jettera plus. Mais tu connais pas moi, tout le temps, m'y coupe, m'y jette moi. Ah, ou bien sinon, m'y plante. Oui, il peut ben, aussi. M'a fait planter aussi, ben. Mais bon, je ne savais pas moi qu'il fallait couper manger. Comme quoi, hein, jette pas. Nous aimons jeter, mais tout ça là, il ne jette pas. Non, le meilleur comme tu m'as maï. Le meilleur nous jette aussi. Voilà. Il y a orange. Oui, finache mon oignon. Et là, après, je finache mon tomate. Et là, on continue à chauffer tomate. Ah oui, à mon tomate. Hein? Ça pour rougail la morue, ça. Ça pour rougail la morue. Il y a oui, ben, il y a beaucoup de morue. Oui, il y a beaucoup de morue, il y a beaucoup de monde aussi. Hein? Et là, aujourd'hui, nous reçoit à peu près combien de personnes aujourd'hui là? Nous reçoit au moins 30. Hein? 30 personnes? Ben oui, au moins 30 personnes. D'accord. Oui. Et n'aura point à nous dedans. Oui, et n'aura point rien pour rougail la morue. Non, ben, mais quand tu auras un bon massalé poulet, hein? Oui. Quoi, bouillon larçon. Bouillon larçon.
fait par Madame Mimosa. Oui, elle fait ça bien. Hein. Ah oui. Et puis on aura un bon rougail saucisse aussi, non? Oui, un bon rougail saucisse. Et puis on aura, bien entendu, un bon achat à légumes. Achat à légumes. Oui. D'accord. Ben, pour faire plaisir à tout le monde. Tout le monde, ben, je pense que les invités pour manger le carioua, il ne sera pas déçu. Hein. D'accord. Ben, elle est super, ça. De l'eau, il bouille là maintenant? Oui, mon l'eau, il bouille. Donc hein? Là où ça vide, le bilin vit dedans. Là, mais vide mon bilin, vide dedans. Donne l'eau bouillante. Voilà. D'accord. Et là, on ne met pas de sel, rien? Rien dedans. Du tout. Même pas 5 minutes, nous tire à l'île. Pas salé. Oui. Et après, nous tire le grain dedans. Oui. Tranquille. Et bien après. Ah, on tire le grain dedans aussi? Ah oui, le grain, il n'aime pas. Nous tire le grain. D'accord. Comment tu tires le grain, crase à l'île? Oui. Quand nous crase à l'île, mettez là-bas. Quand nous sommes invités pour l'arrivée là, nous. On met un petit peu de piment, un petit grain d'huile. Avant d'inviter, y arrive, nous voilà. Rajoutons un petit peu de piment, voilà. Un petit peu d'huile. Voilà. On met quoi là-dedans? Piment, ben, de l'huile. Piment, de l'huile. Vinaigre, non, est ah déjà non, un peu déjà acide. Hein? Oui. On met piment, nous met les oignons. Oui. Un petit peu d'huile. D'accord. Ça même. Ok. Et là, on coupe les oignons verts. Oui, là, on coupe les oignons verts. Tranquille. Pas besoin de bio, hein? Non. Ou comme longtemps. Comme longtemps. Ben. Il y a comme ça. Ben, nous, ça fait vite, hein? On peut le tirer longtemps. Sans bon. Une tradition longtemps. Oui. Il ne faut pas perdre ça. Ah, allez, oui. Ajoute ça. Même, il aime comment même les hommes comme les femmes font tchac 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 tchac. C'est bien ça? Ça vite, hein? Ça a vite. Oui, ça fait. Et moi, j'ai l'impression de mettre mon doigt dedans. Il fait sauter un doigt. Mais là aussi, il n'y a pas de pire, non? Hein? Là aussi, ça va pas de pire. Ben oui, ça va. Si on a un couteau, il coupe bien. Bon, si un couteau, il coupe trop, trop. Mais bon, ça va pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça va. Mi préfère de mentor, ti bon Dieu, monte à moi mon chemin galisé. Bouge pas bateau là, marin, mi connaît pas trop nager. Alors, on a un tic-tac pour connaître mon. Bah, on là, c'est chaud là. Comment on connaît? Il met la main dedans. Hein? Il met la main dedans. Vous faites, vous mettez la main comme ça pour voir si ma mine là, c'est chaud? Ben là, il n'est pas encore bon. Encore bon. Voilà. Laisse de feu bien chauffer ma mine. Oui, ça fait rappel à moi, ce petit bois là. Oui. Comme elle était sur ma vacances à Panyandi. Mon cousine t'a fait tout manger au bois. Oui. Et après, comme elle a travaillé chez ma patronne, elle était pareil. Elle avait une pièce, une sorte de petite cabane. Hein. Elle a donné à moi tout, fait tout mon carré au feu de bois, même de riz, hein, avec ma mis de riz longtemps. Oui. T'as fait cuire tout au feu de bois. D'accord. Pour mon bon camarade qui arrive, oh là là, t'es content de manger un carré au feu de bois. Oui, en plus, on ne compare pas un feu de bois, un carré au feu de bois, le gaz n'a rien à voir. Pareil, hein. Pas pareil du tout. Donc, même, j'avais mon bon dans la musique, tout ça là, t'es bien. Un des tes cases de bois, l'autre tes cases d'oignons. Tout le monde te donne la main. Te donne la main. Et m'avait, t'es soigné une poule chez ma patronne. M'avait poule la même. Vous t'es soigné les animaux aussi? Ah oui. Ah. Avec les animaux, bah oui, t'achètes pas de œufs, t'achètes pas poule. T'achètes un camion de bœuf. D'accord. Voilà. Donc. Il fait vivre à où un peu de bon temps là? Oui. Et t'es dû après à moins de rentrer dans cette nouvelle vie, mange poulet congelé, oui. Poulet, hein? Ben oui. Avec plein de goût de nos poules à nous. Mais ma fille fait la bouche. Y'a d'art. Y'a d'art. Y'a d'art. Moi, c'est un café de vivre avec mon temps. Ouais. Complique pas. Ah non. Complique pas, mange pas super à sol. Allez tranquille. C'est ça qu'il faut, hein? Rester simple. Sans quoi ou les morts, on ne connaît pas. Ouais. Alors là, ils mettent de l'huile. Oui. L'autre jour, j'ai entendu que maman et madame de l'huile. Ah. À moi, il n'est pas madame de l'huile. Hein? Ah ou non? Non. Alors donc, là, parce qu'il y a un petit peu de l'huile. Oui. Ben, l'autre jour, j'ai entendu d'un carré, tout fait, il me dit, ah, madame Mimosa et madame de l'huile. Oui, madame Mimosa, il aime mettre bon peu d'huile dans le carré. Il y a un cholestérol ben, après. Même quand maman, il a chanté de l'huile. Oui, c'est vrai en plus. Et là où ça va mettre toute morue? Ben là, il y a mon mamie bien chaud. Bien chaud. Pour moi, c'est frites mon morue. Mais là où fait frites toute morue, comment? Bien rose ou bien oui. juste un peu? Juste. Pour pas qu'il est trop sec. Après, il n'y a plus le jus. Oui. Hein? D'accord. Là, je vais mettre ma main dedans. Je vois s'il est chaud. Encore un petit peu. Ça, c'est technique, ma tante. Ça, mettre la main de ma mamie pour voir si c'est bon. Parce que je m'aime quelque chose. Ouais. Voilà.
Voilà, là il est bon. Là il est bon. Là il a la sauce. Voilà. Ah, là c'est ça. Hein. Ben. Là. Tranquille. Ouais, je vais mettre la fin. Ah, comme elle a vu sur les coques. Là, tu sais les canards, il comme à lui. Merci de Alors, Esther, je vais mettre mon oignon. Ok. Hop là. C'est comme le céda. Tu vois Nali, ma fille. C'est là. Ah ouais. Tu vois Nali. Et quand il est mort, il finit le corps. Sans chanter, il est mort. Non. Il frite même tout ce. Quand tu danses, c'est gâte. Tu on allie, ma fille. Ben là, c'est que nous, on s'en fait plus. Ah oui. Ben là, ne danse pas, c'est gâte. Là, au gaz, la mourie. Tu on allie, ma fille. Et ma fille? Ah oui. Ah, ah il est joli. Hein, ah oui. Mais est-ce que vous mettez safran de drogue à la morue? Non, je ne mets pas. Vous ne mettez pas? En fin de compte, safran, il met rien dans ta rue, ma langue. Ah bon? Ouais, par exemple, zanguille, pas trop zanguille, hein? Oui. Pas où? Ma zanguille. Oui. Non, mais mange pas ma peau. Pas trop zanguille. Il y a un poisson. Mais dans le rougail et la morue, tout ça, on ne met pas. Non. Parce que je choisis mon tomate, c'est que de façon qu'il est rouge. D'accord. Il change de farine. Il donne une couleur. Ma tante. Monsieur Bobèche a dit comme ça, si jamais il a refait ça, dis-lui parce qu'il n'a pas envie de gagner un coup de fusil d'écho. Ah oui, c'est toi un samedi grand matin. Un coup de fusil d'écho, ben, il fait mal là? Ben, il fait mal ça. Ben, ah. Ma téléphone là où? Hein? Il ne tire pas. Non. Ben, il a demandé un beau voisin. Ben, il n'a pas aujourd'hui, ah, il fait la pas. Scène comme il monte. Non, monsieur Bobèche ne ravage pas, monsieur Bobèche est tranquille, il ne faut pas donner à lui un coup de fusil d'écho. Ah non. Ben vous connaissez, comme on appelle Bobèche là, à soi vient écrire mon cas. On n'a plus besoin de faire l'économie d'électricité. Vous portez Bobèche vraiment? Oui. Ben t'as mis passe prendre mais nous la case. Ben bon, on est pas. Ben ou passe prendre Ali amène Ali ou case, ben c'est son madame ça monsieur là. Moi je connais pas moi. Moi je connais pas plus, on m'a prendre ça avec. Aïe aïe aïe, la madame Bobèche, comment ça a fait? Reviens madame Bobèche. Monsieur Bobèche a dit où la besoin y éclair. Bon, heureusement, heureusement, madame Bobèche, elle comprend. Ah bon, elle comprend. Ah, elle comprend. Ben, là, madame est tombée. Ah, son madame est aussi gentille que monsieur Bobèche. Ah. Ah oui, de monde gentil. Ben, bonjour Bobèche, elle m'y pense. Ben, bon. Allez, monsieur Bobèche. On va mettre ici, mélanger avec la morue. Voilà. On a déjà le joignon, hein? Joignon, là. Et c'est, on va mettre mon piment. Piment crasé avec un petit grain de sel, parce que la morue est déjà bien salée. C'est la pointe pour faire ajouter. Mais au bout de morue, là, où t'es fini déjà, fait bouillir. Enlève les arêtes toutes dedans, où t'es fini fait ça, hein? Ah oui. Oui, parce que ma tante, là, elle ne perd pas le temps, et elle a dit, il fait un affaire, là. Il fait bien, on fait du tout. Voilà, il ne jouait pas, il ne perd pas le temps. Il n'aime pas être expressé. Ah, moi, l'oublie mettre ici, l'oublie mettre là-bas. Et là, on dernier, là, la tête, la tête, l'oignon vert, on met à l'huile dedans. Là, comme elle a fini de mettre mon piment, oui. Prenez deux coups. Donc, on laisse aller dedans comme ça. Comme il ça donne là. Un bon goût. Ah oui. Là,
mettre les deux tout comme ça là. Et après celle-là, on y ajoute mon tomate. Deux, c'est dans la python. Allez. Voilà. Ah, tomate est jolie. Ouais, c'est plus fin de peinture. Je ne sais pas où ça, mais alors là, ma tante, oui? Il prépare son gros piment. Même pas qu'on a le grain dedans. Ah. Mais on lève le grain, même si après ça il brûle. Ma mère? Mm. Mais on lève il toujours dans tout mon carré, même quand ils mettent dans le bread. Oui. Parce qu'ils aiment bien gros piment dans le bread. Ou on lève donc, le grain dedans. Quand on lève le grain dedans, après les moins forts aussi. Parce que c'est le grain, les forts, non? Le piment, même, il est pas fort. Ici, ah. Le grain est un peu insignifiant quand il passe sous la dent. Et puis donne un autre goût, il change le goût au trougaï. Mm-hmm. Alors, je prends mon précaution dans tout mon carré. Puis je mon carré arrête. Un seul goût, il en a un seul goût. Et m'y mettre mon gros piment sans le grain. Sans le grain. Voilà. Là, bâton. Il y a ça là-dedans comme ça. Fin. Wesh, fin. Ouais, comme ça. Dans hautes oignons verts. Alors, moi, connaître s'il y a un oignon. Si. Les oignons me connaissent, il y a une bonne odeur. Oui. Et lui, si je veux connaître s'il y est fort. Mm. Mais sans. Ou sans tiali. Ouais, mais la manana. Alors, bon dit piment, la pas cour, fort. Ah si, bon piment, la cour fort. Oui. Eh bien, m'y mettre pas un bon peu. Voilà. Donc, c'est à l'odeur qu'on connaît s'il est fort. Oui. Bien fort. Oui. On connaît à 70 ans là. Mon Dieu. Il y a moins de pissant, il fait la grimace. Ah oui. Oui, là où ça tourne, notre rougaille. Ben, ça tourne le rougaille. Pour pas y passer par grand bon brûlé. Ben, à la son jus. Mon tomate en train de bien cuire. Il y a un bon odeur dans l'eau, oui. Et on entend dans le rougail à mort, quand il y a un bon odeur, j'ai mon dieu, oulala. Le rougail à mort, il sent choupette là, pas lavé. Ah bon? Alors, de mon idée? Pendant longtemps. Ah. Rougail à mort. Rougail à mort, il sent bon, hein. Ah. Il sent choupette là, pas lavé. Ah, choupette là, pas lavé, il sent bon, ça. Il croit pas trop, hein. Ah, mais c'est lié à nos enfants. Peut-être pour le goût, hein? Vous mangez les bons. Quand il y en a pour l'odeur. Rougail la morue sans l'odeur choupette la pas laver. Bonne mon nom, t'en laver la blague, Zotin. Ah, laver, hein. Hein. Et moi, il me dit encore tout ça là, moi. Ah. De temps en temps, ou lâche une petite blague. Ben, hier, la pas même elle dit aller baigner. T'es allé baigner. Ah, depuis 9h, ma fille baignée. Là, elle me dit, t'as ma passé, ben le dé encore. Ouais. Donc, ça, c'est cosmo longtemps, ça. Mm-mm. Bon, bien, maintenant, mon petit machine, maintenant, elle a fait fiat, fiat, fiat. Épluchoir, non. Hein? Un petit épluchoir, là, pour on a fait IH. IH. Ouais, mais pas grave. Maintenant, la râpe. Mais c'est bon. Et bon, la soupe. Oui. Là. Ah oui, ça. Ou là, ça est bien sec ou trop d'herbe. Là, mes coupines, là, ça est sec à découvrir. Là. Et. Ah, ils sont bons, hein? Oui, la couleur, l'or, hein? Elle a tout. Ils sont bons. Mais maintenant, qui ça, il vient avec Madame Aude? Nous avons Madame Aude et ses amis, bien entendu, nous avons Carmen Allier, que oui. Vous connaissez très bien. Oui. Nous avons d'autres amis, elle m'a présenté tout à l'heure. Et moi, de mon côté, nous avons Eliette et Jacques, des amis. De Madagascar. D'accord. Nora Madame Catala. Nora aussi, bien entendu,
le président du moto, Moto Harmonie. Ah oui, de Brapano, on connaît, oui, hein, oui. Qui est sur mon clip, oui. Allié avec Stéphane Picot, un ancien élève à moi, Stéphane Picot. D'accord. Qui va escorter mes invités. D'accord. Nous aura super. Le valeureux tambour sacré. Oh, tambour hein? sacré sera là. Oh oui, tambour ah, sacré oui. sera là. Là, il ça donne tambour là, oui, midi, là. Pour ça. Ça. Ah. Et ben ouais, bon ben tout ce petit monde là, nous va essayer faire une bonne ambiance, hein, comme il dit à vous, et pour passer un bon moment ensemble, parce que aujourd'hui se rassembler pour s'aimer encore plus fort, c'est et mieux. Oui, voilà. Oui, donc on va faire ça. Ok, ben c'est super ça. Ben là, nous attendons Jean-Claude arriver un instant. Jean-Claude, oui. Il doit emmener encore quelques trucs. Oui. Et puis, ben, il pense que dans très peu de temps, tout le monde va arriver. Oui. Hein? Bien il entendu. Va faire plaisir à tout le monde. Oui. Oui. Et donc, et bien sûr, c'est un grand plaisir pour moi. Bien sûr, et bien sûr, où ça fait à nous plaisir. À nous, ça chante un bon morceau pour nous. Bien sûr, mais ah. ma chanteuse est toujours. Ah oui, hein? oui. Et Madame Bord, il sera au rouleur, bien entendu. Au rouleur. Madame Bord sera au rouleur. Bien sûr, ah, bon? Quand elle mène son tambour. Ah, ah ben là, Midiaou, hein. Et puis, Midiaou, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aussi une grande dame. Hein? Oui. C'est notre. Comment on dit ça? Elle représente la Suisse à la Réunion. Je ne sais plus son nom là. Donc, nous aurons Josette là avec nous. Oui. Ma cognelle dans ma soirée de Manilaï. Elle sera avec moi. D'abord, on doit présenter elle tout à l'heure. D'accord. Mais donc, tout ça là, nous va faire la connaissance voilà. tout à l'heure. Hmm? Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors. Donc, elle est vraiment contente d'y manger un carré au feu de bois ici. Et vraiment fière d'être là. Ah ben il fait plaisir à nous. Hein? Oui, depuis le temps, Jean-Claude et François, François, ben vous êtes un carré. Quand j'ai fait un carré, quand j'ai fait un carré, ma fille, on m'attend, viens, j'ai fait un carré. Eh ben oui. Alors voilà. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Voilà, et fière d'être là. Alors ça, ouais, mais l'ami peut parler donc, pour le décor. Donc là, il faut aller bien, ben, tiens, bien oui. enfilé comme ça. Et ça, mais laisse pour le décor mon carré, tout à l'heure. Quand la fille, mettez-y dessus. D'accord. Il faut voir la patience à la cuisine aussi. Hein. Ah oui. Et ça, m'aime fait, hein, la cuisine. Là, ça m'aime bien. Ça. Ah oui, la cuisine, j'arrête bien. Il y a un repassage, je m'aime pas. Mm. Oui. Je prends un peu toute forme. Hein. Oui, ben moi pareil, un repassage. Bon, on repasse, obligé de repasser. Mais s'il peut éviter tout le temps, il me dit pourquoi ben, il ne fait pas un appareil, mettre toute linge dedans, qu'on aussi a fait le repasser. Ah ben, on connaît longtemps, il me rappelle, il y avait une personne qui habite dans le Calbano, à côté de nous. Mm. Il dit rouvre, secouille bien le linge, rouvre, après assise dessus. Assise dessus. Quand il est sec, assise dessus. Ah. Mais on connaît, quand on secoue, quand on la finit sur le linge dans la machine, on finit bien là, le linge, on secoue, elle est bien rouvre, elle est bien droite là. Quand il y a fait une sec avec un bon soleil, le linge n'est pas écrasé. Oui, c'est pas bien, c'est pour ça bien secouer l'aller. Ben, il faut bien secouer l'aller, voilà. Et donc, et même maintenant, comme il voit un jeune, son chemise est bien repassée, un petit peu sur l'assise là-dessus. Ah, il ne faut pas les faire de loin. De feu n'est pas assez fort, peut-être. Ben, pas assez fort. Là, mettre encore du bois. Ah, mettre encore. Alors, pour moi, on ne veut pas beaucoup donner. Aujourd'hui, nous ne gagnons pas fait flamme de feu fort. Hein. D'habitude, de feu, il flamme ça, bien. Ça, il voit rien. Mais il vient, il vient, là. Parce qu'il ne faut pas même pas que et là où ça va, chute bilimbi. Voilà, là, mais ça va tirer tout le grain de mon bilimbi. Voilà le grain, oui, là, oui. On est là. On connaît d'avoir un pied comme ça, d'accord Jean-Claude? Oui, Nena, ben. Hein, souterrain à côté, Nena, gros pied bilimbi, déchargé. Ben, dommage, tu m'as pas ça. On met des confits, on revient comme cornichon. Ah bon? Et très bon, et vitamines là-dedans. Mmh. Donc on lève tous les grains là? Toujours. La peau, tu n'as pas? Ah non, la peau? Non. Ah, la peau dans le milieu, oui. Un petit peu là-dedans, tu vois. Ah, ça? Ça y enlève? Ben, on enlève, oui. Il, dans la peau là, tu vois, Nana. Le grain, hop là. En famille, ça a fait la même chose dans toutes. D'accord. Tire le grain. Attends, là où pile un petit peu piment pour le bilimbi. Voilà. Hum? Là, un petit peu de sel. Oui. Du
maman nous l'a fait aller la frais dans le jardin. Oui. Là, mes filles, il faut mettre mon rougail bien. Juste un piment de sel, c'est tout. Ça même. D'accord. Moi, je vais vous tout à l'heure. Oui. Et la loi, c'est la route. D'accord. Ok. Ouais. Là, le bilimbi, il a fini, on lève tout le grain dedans. Et un instant, on écrase un peu. Voilà. Bon, là, m'écrase le bilimbi, oui. Que me l'a fait bouillir tout à l'heure. Mm-hmm. Après, me l'a tiré le grain. Là, m'écrase elle est bien même. Avec un fouet, bien entendu. Et rougail bilimbi, comme ça, ils mangent avec quoi ça? Ah, ils mangent toujours avec un rougail la morue, un curry masalé. Ah oui? Ah oui, curry ma langue, là. Avec le grain, curry poisson aussi? Poire, oui, ma langue, toute ma langue. Haricots, poire. Ah oui. Là, Esther, vous l'avez vu, t'as la malaise de oignons là? Oui. Mia Chali là-dedans. Mia deux oignons. Là, ma tante, si ça va voir, son rougail la morue. Elle ne voudrait pas son rougail la morue, parce que pas grand brûlé. Ben oui, elle prend bien l'arbre au corps. Hein. Il est bien sec. Le croûte a mis un peu. Ben, oui. Il y a encore les fins. Il y a encore les oignons, les hachés fins. Mettre un bon petit peu d'oignons dans le rougail bilimbi. Ah oui, d'après la quantité bilimbi. De gros oignons comme ça, voilà. Assez. Comme. Là, je tiens mon piment à la pilière avec un petit peu de sel. Oui. Hein? Et piment frais du jardin. On mélange à lire avec le bilimbi. Mélangez là-dedans. On ne fait pas à la marmite là alors? Ah non? Non. Ça comme ça. Vous faites là, comme mais quand même, mes parcelles, quand même, un petit peu là-dessous. Vous crasez parce que c'est un peu trop. Ah, vous crasez un peu d'oignon. Un petit peu, parce que l'anmou n'aime pas trouver. Les mi-pètes, pas les non plus, hein? Oui. Légèrement. Voilà. Tu vois? Il est mort, il y a l'arbre le corps seulement. Allez, là où la mélange, la... le oignon, le piment avec un petit peu de sel écrasé. Voilà. Là-dedans, et me rajoute un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Et me rajoute. Je mets comme tout le monde, mais me dit pas. Ouais. Là. Et nous tourne. Nous tourne. Nous tourne. Mais mon souhait dit ça. Quand il danse, ces gars. Tourne-li. Tourne-li, ma fille. Tourne-li comme ça. Plique les bons, plique les jolis. Plique les bons, il dit ou bien? Oui. Plique les bons. Plique les bons, plique les jolis. Ben, on voit qu'on est chanté, ben, ma tante, c'est qu'on décorise là. Ah. D'accord, oui. Hein? Ça, ben, là, je oui, pourquoi pas. Ben, ouan, là, là, oui. Ça y est. Là, quand il est bien coûté. Le rougail morue est bien coûté. Et là, à la fin, quand on finit bien prendre ma mère, là, là, on rajoute oignons verts et gros piment haché. Et bien, tourne à l'île, comme dirait la chanson. Tourne à l'île, tourne à l'île. Tourne à l'île, ma fille. Tourne à l'île comme ça. Les petits cas, c'est le meilleur. Voilà, là, là, me tourne à l'île. Et regarde la morue là, pour qui ça l'avait déjà moins. Nana, elle avait envie de manger ça là. Mais comme il dit, madame, bon, certains carrés, foutez des piments et canal austral. Oui. Au bois, du bois, mais ferme-moi, vous gagnez la morue. Ah. Ah, mais je vais manger la morue. On fait son regard la morue. C'est pas l'île enceinte. Pas hein. Un vieux, pas rêve, un vieux ça. Ben oui, on ne connaît pas ça. Ah. Tous les soirs, il y a ce côté Bobby. On ne connaît pas ça. Un jour, son corps, la gâte, il des Bobby à un Kaloubadia. Donc, comme il ne veut pas, il marque. Parce que quand il y a des moins sales, il y a tous la joue droite. Il ne veut pas demain son petit maman, il arrive au monde avec un gros rougail lamouri sur la joue droite. Alors, donne-lui son rougail lamouri. Ah oui, donne-lui, fais pas son envie. Fais pas son envie.
Là, voilà, terminé. Voilà, rouga et la morue, les prêts. C'est pour les tiennes, hein? Oui. Pour dire. Oui. Là, ça me fait mettre la là-dessus. Mais t'as une sans là-dessus. Hein? Ben non, vous mettez du bio là, non? Allez, on gagne de l'eau, c'est bon. Non, non, même là, là. Ça tombe pas? Non, t'as la lien un peu. C'est pas les trous, hein? Juste ton... Ah oui, bien joli, hein? Voilà. Et ça sent bon en plus. Là, si madame Audi régale pas elle, là, n'a problème. Ah, mais oui. Mais obligé, ça régale elle. Ça vous a toutes ses invités. Oui. Le rougail bilimbi, il est prêt alors? Il est prêt. Il n'est pas compliqué faire le rougail bilimbi. Très bon, il n'est pas compliqué. Ah oui. Le voilà. Sel est bon? Le sel est bon. De sucre aussi. Mais dis de sucre, ça l'aide de mon croire la mettre de sucre vraiment là-dedans. Là. Non, la pointe de sucre là-dedans, elle n'a que de sel. Et là, il prépare. Oui. Deux, trois petits lamettes comme ça, de mon gros piment. Oui. Pour l'argue, comme décoration de ciment. Au gars, il a mouru. D'accord. Aux invités, qu'on appelle à où là? Ben. Allô? La main grise. Tape dessus. Va perdre. Encore 5 numéros privés. Bonjour la madame que je vois toujours dans ma, chez moi tous les jours. Ah bon? Oui, tu es dans ma petite boutique. Dans, ah. Tu es dans une petite boîte comme ça, je te vois tous les jours, madame. C'est vrai? Ah oui, je t'aime, madame, à la télévision. Oh, ben bienvenue alors. Donc, on avait l'autorisation avec l'État français. On avait l'autorisation avec l'État français de aller jusqu'à la mer et après revenir faire nos cérémonies et faire la marche sur le feu. Et ces conservateurs-là ont carrément calqué l'instrument sur le temple. Donc, ça ne pouvait être joué que lorsqu'il y a des cérémonies. Or, l'Inde, notre pays d'origine, donc, un des pays d'origine, on est d'accord, un des pays d'origine, a beaucoup évolué. Et nous, on a beaucoup conservé. Et grâce à l'État français, et là, c'est le mérite de l'État français, c'est qu'à travers cette préservation culturelle, ce que nous faisons aujourd'hui n'existe pratiquement plus en Inde. Et ça, c'est notre bonheur. C'est-à-dire, quand nous arrivons en Inde, nous jouons cet instrument, ça fait remonter des souvenirs d'il y a un siècle. Donc les anciens se rappellent. Hein, parce que les jeunes, maintenant, c'est électronique, c'est tout ça. Hein, c'est des choses qui bougent beaucoup, hein, c'est pas trop l'effort, c'est plus deux doigts sur un piano, même appuyer sur un bouton, tout est programmé et l'ordinateur donne la sauce. Donc, les tambours sacrés, dans 96, on a vraiment connu un moment assez
très compliqué avec, avec le conservateur. Et grâce à la persévérance de la jeunesse, parce que notre devise ici au sein des tambours sacrés, c'est 3, rechercher, pratiquer et transmettre. C'est pour cela que nous avons aussi une philosophie de, d'existence, de vie, c'est qu'il y a toujours, nous, on a la philosophie de l'arbre. Et l'arbre, notre arbre préféré, c'est le banyan. Pourquoi le banyan? Parce que le banyan, c'est une racine, c'est une fleur qui revient à la terre. C'est le, hein, chez les Chinois, on appelle ça le cercle infini. Hein, il y en a qui font le 8 infini. Ben nous, on a l'arbre qui est le banyan, où la branche revient à la terre. Mais bien que pour ça, chez nous, il y en a, on a la partie cachée. La partie cachée, on a fait les sons à l'extérieur. C'est-à-dire, ce sont des sons que nous faisons pour appeler la prospérité, le bonheur, la joie. Pour tous ceux qui sont présents ici avec Patine Zaza, Françoise Guimbert, mais aussi pour toute la Réunion, pour tout le monde entier. Donc nous faisons ça toujours. Parce qu'une racine, on ne connaît jamais la distance d'une racine sous la terre. Moi, je n'ai pas pu mesurer. D'accord. Donc nous faisons ça pour les ancêtres. Donc on fait appel à Lyon en disant, voilà, que ça nous fasse une belle journée, une journée de joie, de bonheur, de prospérité, tous ceux qui sont là, mais toute la Réunion et tout le monde entier. La deuxième partie sont ceux qui sont là, ceux qui sont visibles. Hein, ce sont les gens un peu plus âgés, tels que Gérard, Jocelyne. Et après, il y a les fruits. Ça, c'est un fruit. Hein, ça, c'est une fleur. D'accord. Là, il manque une fille. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que l'arbre est infini, dans la mesure où ce fruit va devenir demain un noyau, et soit ce noyau va pousser un arbre. Donc, nous, c'est pour cela que nous avons avec nous un garçon. Aussi, mais comme toute fécondation, sauf que il faut aussi des filles. Il faut le yin, le yang, le masculin et le féminin. Donc c'est pour ça que chez nous, il y a aussi des filles. Bonne année. Bonne année à toute la communauté tamoul, ici à La Réunion, 5116, hein, et qui a démarré depuis mardi, semaine dernière, le 14, et qui continue encore jusqu'à cette semaine et la semaine prochaine, un petit peu dans toutes les communes d'ici, parce qu'il faut vraiment le dire, hein, les communes ici, les municipalités, elles font vraiment ce qu'il faut pour que toutes les communautés soient représentées, hein, et même si au cas on n'a pas eu notre journée... Bon, je passe là-dessus, c'est pas grave. On aura autre chose. Oui, mais faut-il, je voulais juste dire aussi, faut-il admettre que nous, et là je prends témoin le représentant de l'État, c'est que nous qui avons eu la chance, hein, je dis bien la chance de voir ce qu'il y a ailleurs, je n'ai pas honte de dire que ici c'est le paradis. Ah oui. Moi, j'ai vu. Il n'y a pas de jour férié, hein? Mais quand même. Hein? Non, mais parce que quand je dis ici c'est le paradis, c'est que Dieu nous a bénis à tous les niveaux. Pourquoi Dieu nous a bénis à tous les niveaux? Une fois, quand le matin je me réveillais, j'ai dit, mais finalement Dieu nous a oubliés. Et je dis pourquoi? Et je me suis posé la question, je dis pourquoi? Il nous a tout donné sauf la neige. Et 15 jours après, la neige est atterrie. Et donc, je pouvais voir la neige dans la maison. Je dis, tu vois, Dieu suffit qu'on lui demande et nous envoie. Et ça, c'est vraiment un bonheur que nous ne prenons pas conscience aujourd'hui de le vivre. Hein, parce que j'ai dit, grâce au tambour sacré, nous avons été, et quand nous voyons les gens dans des pays, dans des conditions de vie, dans des conditions d'existence, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est pas le bonheur? Le bonheur n'arrive que si l'on désire vraiment, et la personne qui a dit ça aurait 100 ans aujourd'hui. Mon papa. Non, Edith Piaf. En avril 1915. Il a chance d'être français. Bravo. Alors, quand je dis roule maman, ça me roule la lila, on y va, roule maman, ça me roule la lila, pile maman, ça me pile la lila, vas-y maman, ça me va la lila, allez, voilà, arrête, suive le son, allez, voilà, dis tout le monde, allez, voilà. Les ordres, il y a la carte de Zafre. Alors, à un moment donné, il y a Rête, mais vendredi à ça. Jacques, on a dit ça. Dis-moi non. Non.
officielle, mais il y a une espèce d'Hermès. Hermès, c'est Dieu de la communication. Celui qui. Le messager des dieux. Et je crois que Aude a le pouvoir, elle a le don de pouvoir réunir à La Réunion la civilisation, la culture de la Varangue, la culture du Calbanon et la culture de la Salverte. Actuellement, la prochaine sera Salverte. Ben voilà, nous sommes ici en pays de créolie, comme disait notre ami Albany. Et vraiment, je suis formidable, c'est formidable l'impression que j'ai d'être en pays d'amitié. Tout à l'heure, je prends congé de quelqu'un, une jolie madame, qui a réussi à faire un très bon gâteau de bouillabaisse. Je lui dis, vous, c'est qui vous ? Elle me dit, c'est je suis préfète. Et bien, je l'avais embrassé, j'ai embrassé l'État. Maintenant, je viens d'entendre la justice. Je la fréquente, mais c'est extraordinaire. Et pour vous, pour toi, ma chère amie, Françoise Guimbert. C'est moi. En l'honneur et en mémoire de notre camarade Alain Peters, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, donc il m'a écrit une chanson pour lui. Moi, mais bien sûr. Attends, il y a 11 ans, hein. Alors, je vais chanter une petite chanson. Ma petite chanson. Hein, ma petite chanson. Tu ressembles d'ailleurs à ma chanson, Françoise. Ma chanson s'appelle Tous les jolis. C'est l'histoire d'une. C'est l'histoire d'un coup de bois qu'on a gagné. Hein. L'histoire d'un rendez-vous manqué. Madame, rendez-vous à une fille. Eh bien. Elle est bannie. Alors, on a fait une chanson. Dimanche soir, à côté du bazar, la tibine était là, dans la ville, il était vaillant. Dimanche soir, à côté du bazar, la tibine était là. Son robe équivalente, son figuré était clair, mais la fille a un petit odeur. Comme à la cosse qui était dit, il a fait son joli. Alors elle a dit, elle est jolie, tendant les blancs comme de pays. Elle est jolie, tendant les comme un médecin. La chevelure est noire, Tiffy, ton ciel est noir aussi. Tu n'as rien contre l'enfer des blancs comme Gravelly. Toi les jolies, 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 mon tu fais que les jolies, jolies mains, n'arrête de même, la fée fond mon cœur comme sa mère. Toi les jolies, ton dans les blancs comme de vie. Toi les jolies, ton du bout comme la laitie. Toi je fais les noirs, tu fais. Tu n'as rien comme d'un que les noms qu'on crève de vie. Donne à des rendez-vous par choix. Madame dit, mais voilà, mon tu-fille n'était pas là. Donne à des rendez-vous par choix. Madame dit, mais voilà, tu-fille là, t'es plus là. Voilà, parti là-bas, côté la dune. Là-bas, côté la mer, nous étions moins durs, on imagine. Merci, Françoise. Merci. Et moi je dis merci à Dieu, hein, à mon protecteur Seigneur, parce que je n'ai pas été à l'école. J'ai quitté l'école. Je savais que l'ABC de la Vierge du Canopécu, et bien, j'ai pu apprendre à lire grâce au journal, hein, que mes soeurs collées, si elles avaient vu avant, on avait tous voulu connaître ça. Jean-Claude, quand le journal dans la case, et bien, c'est grâce à ça. Je savais que je m'appelle Françoise Guimbert, R-A-N. Alors, c'est grâce à tout ça que j'ai pu écrire. Et la vieille grand-mère, il y avait la vieille que nous coupions aujourd'hui. Cette vieille grand-mère ne pouvait pas savoir comment elle était vraiment importante dans notre vie. Aujourd'hui, les nouveaux, je regrette, hein, mais les vieilles grand-mères qu'on avait qui sortaient de France, hein, et ben, c'était vraiment un livre où vraiment on pouvait s'inscrire et comprendre le français. Donc moi je me suis inscrite comme ça et aujourd'hui Josette et toi et aujourd'hui je suis contente de savoir lire et écrire grâce
grâce à moi-même. Et moi, je dis aux jeunes, vous avez la chance d'avoir des grandes écoles, hein, du terrain de jeu, l'ordinateur, tout le patapon. Moi, j'avais pas. Mais j'avais pas. Mais j'avais du monde autour de moi. J'avais la cour. J'avais nos vieux qui n'allaient pas danser, qui restaient dans la cour. J'avais des gens qui parlaient avec nous, qui transmettaient. Voilà, hein, qui transmettaient. Maman, viens, ouvre la porte, la 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 maman
téléphone Philippe, Philippe est là pour moi, hein, à chaque fois. Je peux dire, il vient Saint-Gilles, il vient Saint-Paul, il partout, il vient. Et là, bientôt, Wani, pour mon anniversaire, 71 ans. Et d'accord voilà. 50 ans Non, 70 ans, 71 ans, pardon. Donc, il verra génial. Donc, voilà, moi, je remercie M. Coindin, hein, et madame. Hein, et il est là qui est en cuisine depuis tout à l'heure. D'avoir invité à moi dans. Pour faire un carré dans son émission pour TV Piment et Canal Austral. Et Canal Austral. Donc, il y a longtemps, Jean-Claude dit, viens faire un carré, François, viens faire un carré. Donc là, comme elle a dit, il fait un carré, il dit, oh, bien, il s'est fait un carré au bois, viens manger. On dit, ah, bon, fais un rougail, la mourir. Il dit, ah, bon, on dit, rougail, la mourir. Oui, il donne son rougail, la mourir, fais un rougail, la mourir au bois. Hein. Voilà. Donc, nous reviens, on va pas laver la main dans le matin. Donc, merci à vous d'avoir amené toutes vos amies. Voilà, je voulais dire. Merci à vous, parce que c'est moi qui vais être fière d'être là aujourd'hui. Voilà. Ça m'a fait plaisir de faire ton allez, vite là. Laisse-moi crève ou s'amiler, pas besoin pleurer, pas besoin sortir lève à moi, comme à l'été debout ton corps. Personne t'a eu cause avec moi. Esther mal a fini ton mater. Pour que ça sortive lève à moi. Trop tard. Voilà. Laisse à moi crever. Ma tante chante chanson, laisse à moi crever. Crève ou s'amiler. Jean-Claude, pas besoin pleurer pour ma tante. Pas besoin d'activer, lève à moi. Ça, c'était voilà. Un hommage à Alain Pété. Oui. Et moi, me l'a rajouté. J'en dis mal à plus besoin rien. J'en dis mal à plus besoin rien. J'en dis mal à plus besoin rien. Et on connaît quoi? Nous là commence l'émission avec la bénédiction et nous terminons. C'est incroyable ça. Incroyable la piton. Incroyable ça. Voilà. Jean-Claude. Oui. Il arrive de la pluie, la pluie l'a arrêté. Et là où mon amour est. Oulala. Et voilà. Nous les bénis. Ah Seigneur. Ah, merci beaucoup pour belle. Cette journée. Non. Merci pour cette belle journée. Merci. Merci, merci d'avoir participé. Vous. Merci tout chez ça vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Merci. Merci d'avoir reçu tous mes amis avec autant d'amour. Ouais. Et ce qui partit au cas, c'est incroyable. Ouais, tout le monde était content. La joie oui. Se fait. D'ailleurs, tout le monde a parti avec beaucoup d'amour au cas. Et moi, je connais, je suis sûre de moi. Hein, parce que chaque fois que je fais une affaire, donc on y vient avec amour et on retourne avec amour. Ben, Jean-Claude le connaît. Ben, hein, oui, qui ça n'est pas content de passer un bon moment ou une soirée ou peu importe hein, avec Françoise, ouais. Avec ma tante, voilà. Tantine Zaza. Voilà, ma tante. On l'a eu le fouine. En plus, Catherine, qui ça n'est pas content rencontre autant d'amour oui. Avec amour. Oui, parce que dans la vie où tout le monde a un grand mur, un grand arbre, comme pour empêcher les autres, tout ça là. Moi, je dis, là, tout le monde y rencontre tout le monde. Et tout le monde a un sourire transparent. Hein, Jean-Claude, t'as ben, vu oui. Tout le monde était content. Ouais. Ben, je dis, nous sommes des amis rassembleurs. Hein? Canal Austral, TV Piment. Il fait partie des amis rassembleurs. D'ailleurs, nous la donnons à nous rendez-vous pour autre chose, Mila. Hein, pour bientôt. Et que pour bientôt. Voilà. Parce que nous dit, la vie n'est pas morose. Mm. La vie n'est pas aussi déglingante, comme on dit. Il suffit de regarder la vie avec amour. Voilà. De rencontrer les gens, de partager, de sourire. C'est important. Et surtout de rester nous-mêmes et sains. Voilà. Et comme il dit, Télépiment, allez toujours de l'avant. Et nous sommes contents d'avoir eu Françoise Guimbert avec toute la troupe de Françoise avec nous. Et puis, ben, nous disons à bientôt. À bientôt. À Françoise. Ben, pour autre chose. Ok. Allez, au revoir. Bye, Jean-Claude. Merci, madame.
Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.